Revenons maintenant sur la digue Morier. Ça fait près d'une semaine que les résidents de Chute-Sainte-Philippe et Lac des Écorces ont été évacués. Ils pourront enfin récupérer leurs effets personnels. On en discute avec Normand Saint-Amour, qui est le maire de Chute-Sainte-Philippe. Merci d'être avec nous. Merci à vous, ça fait plaisir. À quoi ressemble la situation aujourd'hui? Aujourd'hui, les gens ont commencé depuis hier à aller récupérer leur effet pour un séjour qui est prolongé. Au début, c'était un départ pour 4-5 jours. Puis, ça va être plus long. Donc, un coup, la logistique est en place, on a pu permettre d'aller chercher les effets personnels. Et comment ça se passe? Comment on va chercher ces effets personnels? Bien, on va s'inscrire au centre d'urgence, on va prendre un numéro. Évidemment qu'il y a des critères. Comme au début, on priorisait les personnes avec les animaux domestiques, les chats, les chiens, et aller nourrir aussi le bétail. Des fois, il y a des entreprises agricoles. Donc là, ça, c'était les priorités. Et maintenant, on est capable, avec la logistique, c'est aussi tout bien structuré, on est capable d'aller chercher les effets personnels, mais tout le monde est bien au courant qu'ils vont avoir un moment. Ils ne pourront pas aller retourner après. Donc, vous avez un moment, allez-y, structurez-vous. C'est un 15 minutes que vous avez pour aller chercher, compléter vos effets personnels, être capable d'avoir du linge, une petite rotation. Et c'est pas long, 15 minutes quand même, hein? Non, faut être prêt, mais si on veut pouvoir aider tout le monde avec la logistique qu'on peut faire, c'est comme ça qu'on le fait. Et sinon, en ce qui concerne la digue en ce moment, c'est stable la situation? Oui, là, ce qu'on entend, c'est que ça fait 3 jours que la digue est stable, après qu'il y a eu une détérioration qui était presque continue, à petite échelle, mais quand même une détérioration. Là, ça fait 3 jours que c'est stable. Il y a eu des travaux aussi pour la stabiliser au niveau de baisser la nappe phréatique, donc des tranchées qui s'est faites. Donc, il y a des petites choses qui sont faites selon toute l'équipe d'ingénieurs qui est en place. Et puis, ça semble rapporter. Donc, le risque est encore très imminent, il est encore là, mais entre l'expertise, ce qui avait été mis en expertise, en hypothèse, bien, semble se concrétiser, donc c'est encourageant. Ah oui, c'est bon signe quand même pour ça. Mais les résidents ne peuvent pas, d'après vous, on ne pourra pas retourner à la maison avant le 17 décembre, là. Ça c'est sûr? Hein? C'est certain, et le 17 décembre, c'est si tous les travaux vont très, très bien. Donc, tu sais, c'est vraiment si tout va bien, on peut s'attendre que ça va être plus long, hein? Plus long un peu, c'est normal, mais on va avoir vraiment la mise à jour de toute l'expertise technique, de tous les travaux. Il y a beaucoup de matériel qui commence à être amené près de la digue pour renforcir la digue. Donc, on va avoir le topo plus cette semaine, mais on peut comprendre que c'est un minimum. Les gens, il ne faut pas qu'ils misent tout à revenir le 18. Il faut qu'ils se préparent, qu'ils restent à l'écoute, qu'ils suivent les consignes. Mais la population est vraiment très, très, très collaboratrice. Ça va super bien. C'est bien. Et tu sais, les services incendie, sécurité civile et le CI3S, il y a vraiment énormément de... Écoute, une concertation, tout le monde se met ensemble, ça va bien. Puis les citoyens aussi embarquent là-dedans. Les citoyens des municipalités avoisinantes aussi, c'est merveilleux. Tant mieux, ça. Et ça donne un petit bond. Oui, vous continuez de leur dire, ça se peut que vous passiez Noël loin de chez vous? C'est toujours le cas? Bien, moi, je continue à dire, vaut mieux se préparer à une situation... vaut mieux se préparer à une situation pire puis avoir une bonne nouvelle. Mais j'ai quand même de l'espoir, là. Ça s'améliore, fait qu'on a de l'espoir, mais bon, vaut mieux se préparer à un scénario B qui va être, qui va être heureux et bien que d'être dans l'attente, là. Oui, c'est vrai. Mais écoute, il y a un petit espoir. On va voir cette semaine comment ça va se concrétiser, là. Je crois peut-être mercredi, jeudi, on va en savoir plus. Okay. Puis on va essayer de tenir les citoyens, les évacuer le plus au courant. Est-ce qu'il y a toujours des réfugiés dans le gymnase? Écoute, oui, hier, là, je n'ai pas été voir aujourd'hui, mais hier, il y en avait 8 qui ont couché dans le gymnase. Donc, écoute, c'est bien fait, il y a de l'espace. Je ne dis pas que c'est une totale intimité, mais il y a quand même 4 sections pour personnes plus âgées, des familles et des hommes seuls, femmes seules. Donc, c'est vraiment bien structuré. C'est chapeau à la ville de Mont-Laurier qui nous accueille, qui a structuré ça rapidement. Merci à l'ensemble des organismes qui viennent aussi nous aider à structurer. Bon, mais courage, Normand Saint-Amour. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. À bientôt. Bien, merci à vous. À bientôt.